Salut à tous et salut à toutes et bienvenue ici à Rhegion, ville du puissant empire corinthien qui est en train de se mettre en place grâce à ma tyrannie. Là on est, comment dire, assez embêté. C'est-à-dire que les Thessaliens veulent pas lâcher le morceau, mais alors pas lâcher le morceau du tout. C'est-à-dire qu'ils envoient plusieurs armées à chaque fois. Par contre, les Spartiates ont lâché le morceau à Elis. Je sais pas pourquoi. Peut-être la menace de cette armée leur a-t-elle fait comprendre que il fallait pas trop m'emmerder. Résultat, on va l'attaquer tout de suite et lancer un assaut afin de prendre la ville directement. Voilà, comme ça c'est un souci en moins. On va occuper pacifiquement la cité parce qu'il n'y a pas de raison qu'il paye pour les Spartiates. Par contre, je me ferais bien deux petits oblits comme ça pour voir lorsqu'ils vont revenir, parce que je suppose qu'ils vont revenir en fait, et ils sont assez bien armés quand même. Donc Andrakia, ville assiégée, oui. Rapport de fin de tour, 45 000, communique, oui. Rapport de construction, oui. Et rapport de recrutement, tiens, on a recruté un héros. Ah oui. Ah bah tiens, comme j'ai de l'argent, comme j'ai même beaucoup d'argent, on va essayer de corrompre la grosse armée ici à côté. Oui, ça marche. Pour attaquer la plus petite à côté. À moins qu'on essaye de la corrompre aussi. On va essayer. On peut pas. Donc, ceci résout la question et on va attaquer. Non, non, non. J'ai dit que... Voilà, il faut que vous les anéantissiez. Rapport de force du 9 pour 4. Je pense que c'est jouable. Et voilà, plus aucun lacédémonien dans le Péloponnèse. Enfin, pas que sache. Attendez, oh, si, il y a encore un lacédémonien, mais c'est un héros. Donc, aucun souci de ce côté-là. Résultat, je crois que... la fabrication de ces hoplites supplémentaires n'est pas nécessaire. Et là, on va faire ce que j'aurais voulu faire dans l'autre épisode. En fait, on va faire un grand rassemblement de toutes les troupes qui pourront être disponibles. C'est-à-dire, lui, on va le mettre ici. Impossible de bouger. Voilà. On va essayer de mettre deux hoplites. Hop, alors là on va rassembler et toi on va te mettre là-bas. Et voilà, 13, voilà. Ce qui fait que on va mettre deux unités hoplitiques pratiquement par village. Bon, à part ici comme c'est un truc rebelle, bon. On va... Alors, non, toi aussi. Ah zut, j'aurais voulu faire le contraire. 32, 93... 57, à mon avis, on devrait mettre le 32. On va le transférer ici. Comme ça, il pourra être fondu dans l'autre. Dans notre armée. Bref, et on va rassembler également toute l'armée à la frontière au niveau de la baie aussi. Parce que vous le voyez, eux aussi rassemblent leur armée à la frontière. Ce qui fait que cela ne présage rien de vraiment très bon pour nous. Bien que le nombre de troupes a augmenté depuis la dernière fois. Tiens, j'ai oublié de le rassembler. Oh, 112, ça fait pas beaucoup ça. Ici, 16. Alors ça, c'est des hoplites de Sikion. Ça veut dire, est-ce que... Ouais. Alors, ils sont pas rassemblés, non. Il va falloir également, c'est que je dissolve certaines troupes. Afin de, comment dire, faire un peu le ménage. Bien sûr, il y a des rébellions un peu partout. Ça, c'est extrêmement chiant. Je sais pas pourquoi ils sont en rébellion. Voyons voir. Non, pas ça. Ça, plus ça.
Alors, salut beauté, distance de la capitale. Je peux pas faire grand chose contre ça aussi. Alors, on peut pas instituer un système politique. Voyons voir, garnison 80%, oui. Alors ça veut dire que sans la garnison, il sera encore plus en rébellion. Mais je peux pas transférer la capitale ici aussi. Agitation 20%, 10%... Ouais, bon. Résultat, je peux pas faire grand chose. Alors, voyons voir. Peut-être ça, non pas ça. Ça, c'est la santé publique. Bonus d'ordre public, tiens. On va faire ça, sanctuaire des dieux. Afin d'essayer d'améliorer un petit peu, quand même, le bonheur public. Hein. Et on va également poursuivre dans notre démarche de corruption. Bien sûr, là, je ne pense pas y arriver. Ah, bah, suffisait de pas penser très fort, en fait. Donc, on arrive... ah oui, j'allais dire, j'ai peut-être encore le problème du truc. Ah, il y a des troupes. Des troupes assez jolies, je trouve qu'ils sont... Enfin, ils sont jolis. Est-ce qu'ils sont efficaces? 30... 36, 2, 3, 5, 7, 37. Ça a l'air d'être des troupes assez intéressantes quand même, je trouve. Oui, capitaine. Ce qui est dommage également, c'est que je n'ai pas de chef de faction tout près. Faudrait que j'en transfère, mais là, je n'en ai pas encore le temps. Ils ont tous la même couleur. Ils viennent de où? Epizéphiroy. Epizéphiroy, Locroy. Ah, Locroy, ils viennent tous d'ici en fait, ces hoplites. Donc c'est des hoplites qui viennent tous de la même cité. Ça a l'air... Par contre, en regardant sur la carte, ici on voit une petite tache grise. Moi je suppose... Oui, capitaine. Je suppose peut-être à tort qu'il y a également une ville qui se situe là, enfin une cité qui se situe là. Donc résultat, on va aller voir quand même. Ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est ici. Allons-y. Allez. Alors. Allons-y. Est-ce que je peux encore avancer? Bon. On va lui fournir des troupes à cet homme-là. Non, bon, bah, on peut pas recruter. Bah, je vais construire une tour de guet. Hop. Construisez une tour. Et qui me sert à rien parce que je vois pas les troupes qu'il y a dans cette machin. Donc on va lui fournir un contingent d'hommes. Voilà, plus c'est de là peut-être. Ouais. On va lui fournir ça pour sa défense personnelle. Voilà, et on va attaquer celui-ci. Voilà. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? À cause du fait que c'est dans un cul-de-sac ou quoi? Bon, alors il n'a pas beaucoup de troupes, donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va en prendre 3 plus toi. Et on va les transférer, ou on va le faire attaquer ici. Voilà, en attendant, pour voir... Voilà, normalement, ça devrait être... Alors, oui, il fallait aussi que, comme je l'ai dit, que j'opère mes transferts de troupes. Alors, ces deux cités, c'est bon. Toi... Général. Oula, toi t'as mangé cher sur les hoplites. Est-ce que je peux les informer ce type d'hoplite ici? Oui. Donc je vais transférer celui-ci à Tagia. Voilà, ici c'est bon, ici également. Là on va laisser la garnison, ici aussi parce qu'il y a ces petits cons ici. À Argos. Ici, par contre, on va peut-être changer. Hop. Voilà. 67 ici, 50 ici, voilà. On va transférer celui-ci, celui-ci, ainsi que celui-ci. On va les transférer un peu plus au nord. On va les transférer à Mégare, par exemple. Voilà, on les transfère à Mégare. Alors, on va faire ça. Par contre, on va transférer uniquement ceci à Mégare. Et on va transférer ceci à
Corinthe. Voilà. Ici, non, ça a l'air d'être bon. Ici, on va laisser tranquille. Par contre, il me faudrait, c'est savoir où sont mes chefs. Alors, oui. 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 Général. Oui. Vos ordres. Oui. Ah oui, c'est vrai que toi, il faut que... Ah, t'es bien emmerdé toi apparemment. Est-ce que tu peux venir ici? Non. Est-ce que tu peux aller là? Ah oh, punaise, il est bloqué. Ils sont en train de le bloquer, c'est une force considérable, ils sont en train de le bloquer et s'ils m'attaquent, je suis un peu embêté. Alors, toi... Toi, tu vas venir ici et... Ah oui, tu peux pas construire de tour vu que... ici c'est les impôts. Bah oui. Zut, est-ce que tu peux rentrer? Ouais, c'est bon. Donc on va plutôt passer tour avant de faire la moindre construction ou chose comme ça parce que là, on est un peu dans la dèche financière, quoi. Ce qui est extrêmement dommage. Ah, regardez, je le savais. Ils vont me réattaquer. Et schlac. Nous sommes assiégés. Schlac, et voilà. Hop. Ah, du coup, est-ce qu'ils... Non, ils ont pas touché à mon corps expéditionnaire qui était là-haut. Ouh, ça, ça fait mal. Ça, c'est pas gentil, les gars. Ça, c'est pas très, très gentil. Alors, voyons voir, j'ai une majorité d'hoplites, il a une majorité d'hoplites aussi. Je n'ai que deux... Aitoloi. Et lui a des Psyloi. Psyloi, Psyloi aussi, des Psyloi. Tout là, c'est des hoplites. Alors, 121, 80, 120, ouh. 14, 25, 38... 121 hoplites ici, ça ressemble à des hoplites mercenaires ce truc, mais c'est leur général. Bon, bah, tant pis, hein. 14-25, oui, et moi je peux pas regarder mes forces évidemment. Ouais, bah à mon avis, si vous voulez savoir ce que je pense, c'est du tout gagné pour moi en fait, hein. Si je fais pas de conneries, que je reste à la défensive, normalement j'ai gagné, et si c'est les troupes uniquement dans la ville, je leur capture une ville en même temps. Alors évidemment, on se retrouve sur le champ de bataille pour voir tout ça. J'ai pas encore commencé à engager le combat, hein. Vous voyez de toute façon. Mais par contre, je m'inquiète d'une chose. Vous voyez là, j'ai pas fait pencher la caméra du tout, non. C'est en fait le terrain qui est carrément comme ça. Ça veut dire que si l'ennemi m'attaque de face comme ça, le bonus de charge va jouer, mais alors à fond, à fond. Ce que j'aurais voulu, c'est m'installer sur le point le plus haut, mais le problème, c'est que en fait, c'est l'ennemi qui a le point le plus haut. Donc eux vont attaquer carrément de là. Ça veut dire que, avec la neige qui tombe, s'il y en a un qui s'amuse à faire un croche-pied à un autre, ça va faire le capitaine Haddock qui va débouler sur mes pics jusqu'en bas. Le résultat, ben, ça va faire... ça va faire très mal, je pense. Même si ces troupes, les troupes à l'ennemi, sont endommagées en grande partie, et que je pourrais essayer un contournement, donc ça veut dire que s'il m'attaque sur le flanc, je pourrais l'attaquer, ça restera un gros choc à absorber par mes hoplites. Voilà, j'ai eu un petit trou pendant un petit moment. Voilà, alors on va engager le combat et on va tout de suite se repositionner et en courant pour essayer d'annuler justement leur bonus de charge, parce que avec ce bonus de charge, il risque vraiment de me faire de gros dégâts. L'ennemi va tenter de tirer sur vos meilleures unités. Mais évidemment qu'il va tenter de tirer sur mes meilleures unités. Mais comme j'ai que des hoplites et les Aitoloi, ça va être un peu juste pour lui. Bon, il suffit juste en fait que je transfère mes troupes un tout petit peu plus loin par rapport à sa position. À lui, on va essayer de faire ça et essayer de
courir pour rejoindre la position avant qu'il ne puisse courir et rejoindre la mienne. Voyons voir, est-ce que ça fait loin d'ici? Ouais, c'est relativement loin, mais n'empêche, j'arriverai sûrement, très certainement même, à contourner et à tourner le bonus à mon avantage, parce que l'IA elle est vraiment con là. Et pourtant elle est pas en facile, hein, mais elle est vraiment quand même. En tout cas j'adore les unités qui sont là. Enfin le détail des unités, je m'en lasse pas, franchement. Bon c'est sûr c'est pas du ROM Total Realisme ou encore du ROM Master Rectum, des choses comme ça. Hein. C'est pas le même genre, là c'est, ouais, c'est des idées bien propres et tout. Quoi. Mais j'adore leur design. Alors est-ce qu'ils vont arriver? Bon. Ils doivent s'éloigner, alors normalement c'est bon. Alors on va couper jusqu'à ce qu'il y ait le contact. Et ben ça a l'air de plutôt bien marcher. Ici il y a une unité d'oplique qui essaye de charger, qui a même fait le cri guerre de je sais pas quoi pour essayer de me charger. Mais résultat en fait elle a pas réussi à aller plus vite que moi. Enfin là si peut-être bien. Enfin elle a réussi à accrocher l'unité de mon général, ce que je vais essayer de replier immédiatement. Parce que comment dire, ils l'ont eu dans le dos. Et ça c'est pas gentil du tout. Voilà, et moi j'ai réussi à contourner l'obstacle qui faisait qu'ils avaient la hauteur. Par le fait qu'ils ont voulu m'attaquer de front et donc ils ont eu un petit problème parce que moi je voulais monter et eux sont été obligés de descendre. Donc là on va attendre que toutes les unités d'oplite soient au contact, ou une grande partie en tout cas. Ah bah ici qu'est-ce que... Ah bah évidemment ils ont envoyé leur psy-l'œil contre mes oplites, c'est logique parfois en déroute. Ça doit être des psy-l'œil aussi je crois, ouais. Donc résultat voilà quoi. Hop, ça on va le transférer sur mon aile gauche. Ici, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, je crois. Alors ça, c'est une unité de psy-l'œil encore. Alors là, on va les charger avec le bonus de descente. Je ne dis pas ce qu'on va leur mettre là. Le général ennemi fuit devant vos guerriers. Attaquez! Pourquoi il n'y a qu'une ligne qui est en train d'attaquer là? Ah, impeccable. Et là on va laisser lancer un assaut limite général. Hop. Voilà. Et ici, voilà. Eh ben, la bataille a été un peu rapide. Ben, je l'espère en tout cas qu'elle sera rapide parce que là je suis en train d'essayer d'anéantir toutes les unités qui sont en train de passer devant moi. Il faut dire aussi que la pente n'a pas aidé nos chers ennemis. Qu'est-ce que c'est ça? Des psy-l'œil. Est-ce que... Punaise, ils ont déjà usé toutes leurs munitions. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Enfin bref, comme il est certain que je ne vais plus perdre à partir de maintenant, on se retrouve sur la carte de campagne le temps que je finisse tous ces petits rescapés. Printemps 504, 69e Olympiade, avec un petit gars de la cité de Croton qui a gagné pour la seconde fois, le seconde fois au stadium. Petite anecdote historique que j'apprécie grandement lorsqu'on finit le tour. Bien sûr, on a gagné et j'ai réussi à anéantir presque, en fait, presque anéantir l'armée ennemie. Pardon. Cette armée n'est pas l'armée qu'on a dû affronter. Je leur ai infligé 50% de pertes et eux m'en ont infligé 5% seulement. Donc ce qui fait que c'est quand même un bon ratio, enfin je trouve. Aïe, il y en a qui se sont planqués. C'est pas bien. Ouh, 1656. Donc apparemment la cité est très bien défendue. Donc, toi... Tu vas aller là. Voilà. Et on va peut-être recruter quelques mercenaires. Alors qu'est-ce que c'est ça? Blablabla. Utilise une arme de projectile avantagée. Moral excellent. Peuvent charger son avantage sur l'ordre. Bonne résistance. Et peuvent saper. Oui. Bien sûr. Oh, des chiens de guerre. Des bolos. Effraie les ennemis proches. Bonus de combat dans la forêt. Et agile. Je me recruterai bien ces trois unités de molos.
peut-être ces deux unités là, ça peut-être. Ouais, on va peut-être se recruter. Quoique... Ouais, on va recruter uniquement les trois unités de Molos. Voilà. Donc ici, c'est bon. Oui. Ce qu'il nous faudrait, c'est un avantage. Comment dire, un avantage quantitatif par rapport à l'ennemi. Bon, apparemment les cités sont pas très très coopératives. Ici ma cour de justice est presque terminée. Ici les impôts bas. Il va falloir que je fasse quelque chose pour les calmer un peu quand même. On va peut-être laisser ça de côté. Tiens, ils sont devenus bleus maintenant. Ah bon. Donc le stadium normalement devrait régler le problème de leur insatisfaction. Plus un tribunal. Et ici, une place des exécutions. Évidemment, on va essayer de faire des places des exécutions là où on peut. Ah tiens. Ici, on va faire une mine pour quoi dire d'avoir un peu plus d'argent quand même. Parce qu'il est important de privilégier également l'argent. Hop, et ici, on va voir... Votre Altesse. Ça m'étonnerait qu'on puisse corrompre cette cité. Par contre, on va voir qu'on corrompre celle-ci. Essayez de prendre un pied en Sicile quand même. Voilà, comme ça on a pris un pied en Sicile et on peut transférer une partie des troupes, oui, c'est-à-dire oui, ça, ça, ça. Voilà. Jusqu'à ici, pour quoi dire de maintenir... il est carrément rentré, lui, dans la cité. Bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on a en plus un pied-à-terre en Sicile et on pourra avancer jusque très loin en Sicile, je l'espère, en tout cas. Ce qui est, en fait, du tout bénef pour moi. Ensuite, est-ce que j'avais pas un navire quelque part par ici? Oui, j'avais un navire. Voilà. Ah oui, il fallait aussi que je répare ces deux navires. Voilà. Voilà. Donc on va finir de transférer les troupes. Toi, ouais. Toi, tu es ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oui. Allez hop, et toi, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Bon, il va aussi falloir que je regarde pour essayer de prendre cette cité. Alors on va regarder pour nos agents. Alors cet agent là, ah oui, il devait descendre. Ah bah tiens, je tombe sur des cités en vert. Alors on va essayer de corrompre, je suis sûr que j'y arriverai pas, la GIC 2000, ils ne voudront pas, voilà. Par contre, ça me laissera pour le prochain tour. On va essayer de les corrompre pour le prochain tour. Ça sert toujours d'avoir des héros quelque part. Aussi haut, tiens. Qu'est-ce que... Ah, ouais. Zut, s'ils prennent cette cité... Donc, je vais essayer, c'est de les corrompre, eux. Non, ils veulent pas. Oui, j'avais perdu à Polonia, j'avais complètement oublié ce fait. Ça, c'est jouer une fois par semaine, c'est pas très très bon. On oublie des trucs, résultat. J'attends vos ordres. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas si catastrophique que cela. Parce que moi, en fait, je peux remonopoliser une armée. Ah ouais, mais quoique, c'est légèrement très très beaucoup loin. Donc on ne pourra pas remobiliser la dite armée. Aux ordres. Donc on va passer le... Non, il faut que je finisse de regarder mes agents. Alors j'ai un assassin ici. On va le faire travailler. Cible en vue. Non, pas lui. Sa mort, bon, on va essayer. Hop. On va le faire travailler, cet assassin, héros. Alors, espion. Seigneur. Espion. J'ai une grande quantité d'agents qui sont un peu partout. Alors, on va te faire espionner ici. Ensuite, toi. Ah oui, c'est vrai que toi, tu étais chargé de corrompre une grande partie des personnes qui étaient au sud. Toi, tu vas venir jusqu'à lui et il veut pas être corrompu. Bon, tant pis. C'était... Ah, bah tiens.
Je vais le mettre ici. Comme ça, quand je ferai aller à la flotte, je pourrai essayer de corrompre la cité qui est sur lui. Assassin, tiens, un deuxième assassin. Assassin paré. Donc tu vas essayer d'assassiner lui. Sa mort est proche. Hop, et on passe le tour. Ah. Allez, merde. Et hop, hop, hop. On se dépêche tout le monde. Toi, je t'avais pas transféré là-haut, non? Par hasard? Ah si, j'avais commencé à transférer là-haut, mais il a pas voulu. Tant pis, c'est pas grave. Ah, tiens, une armée rebelle a été... Ah, pourquoi est-ce que à chaque fois que je convertis une cité... Désolé pour cette coupure et ce problème technique, mais en fait, comme je vous l'ai précisé déjà dans les précédents épisodes, etc., je ne fais que me répéter, en fait. Nous avons eu ici un problème technique, c'est-à-dire que j'ai pas, même pas pu finir ma phrase, le jeu a crashé et je me suis retrouvé sur le bureau, sachant que Fraps, une fois qu'un jeu crash, arrête de filmer, ce qui fait que vous n'avez pas la fin de ma phrase, parce que je l'ai fini quand j'étais sur le bureau. Bref, du coup là j'ai, comment dire, heureusement que ça avait fait une sauvegarde juste avant le tour, une sauvegarde rapide, ce qui fait que j'ai pu finir le tour, mais résultat, il y a eu quelques petits changements dans la chose, mais pas de très grands. En fait on m'a proposé du commerce que j'ai accepté, évidemment. Faudrait-il être fou pour refuser ? Ça c'est le principal changement, je crois. Ah, par contre cette armée, armée d'archers, a été corrompue par ce punaise de diplomate béotien, ce qui est extrêmement dommageable, mais pas tellement vu que l'armée n'était pas constituée d'une force très importante, ce qui fait que cela. Donc nous sommes en été 504. Bon, c'est extrêmement dommage que cette armée ait décidé de me trahir. Dommage pour elle, j'entends. Parce que elle risque fortement d'être anéantie. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, alors un espion lacédémonien a été repéré ici. C'est normal, c'est une capitale lacédémonienne.
Rien de plus normal. Que puis-je faire pour vous ? Alors, est-ce qu'on va pouvoir le corrompre cette fois-ci ? Je ne crois pas. Non, on peut toujours pas le corrompre, donc ça, par contre, c'est extrêmement affligeant. Ici, armée rebelle. Tiens, on va essayer de corrompre celle-ci. Voilà, on va essayer de corrompre celle-ci, donc comme je peux pas le faire sur ce tour, c'est pas grave. Alors, on va regarder toutes les fiches. J'ai remarqué également que beaucoup de commentateurs ne regardaient pas les fiches. Moi, je trouve que, perso, c'est assez intéressant de les regarder quand même. Enfin, c'est intéressant. Ça nous apprend pas toujours grand-chose, mais bon. Je regarde. Donc, on rassemble les troupes, évidemment. Troupes qui commencent à diminuer, ça de façon très inquiétante, bien sûr. Toi aussi, tiens. On va le faire attaquer l'armée de rebelles. Ici, on va pas poursuivre l'avancée, mais par contre, on va envoyer des Corinthiens pour les anéantir. Voilà, et je vais adopter ce cher commandant de garnison. Allez, tu vas passer le tour, oui. Voilà, on va l'adopter, voilà. Donc, ce qui fait que j'ai un nouveau chef de faction, ça c'est extrêmement bien. Au moins, je peux recruter ce genre d'unité. Et voilà. Donc, tu vas te reposer là-dedans. Et toi, tu vas retourner... Combien y a-t-il d'unités ici? 2. Donc, on va peut-être envoyer un certain nombre d'unités. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y en a pas. Alors, on va faire ceci. On va rassembler ceci. Voilà. Alors, on va envoyer cette unité de plite de Corinthe. Donc, qui est au nombre de 106. Avec une autre unité de plite. ACG. Ouh là là, qu'est-ce que... Pourquoi il me fait un grand tour comme ça, lui? Mouvement terminé. Ah, j'ai peur que non. Bon, du coup, on va te faire rentrer ici. Bon, c'est toujours un siège, ce n'est pas dramatique. Ici, on va anéantir cette flotte béotienne. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Hop. Et on va réassiéger le port. Voilà, voilà. Alors tout ça se met en place dans un... Enfin, ça commence à se mettre en place et évidemment c'est là où on doit s'arrêter parce que... comment dire... Ça a bel à se mettre en place, c'est quand même assez long. Émeutes, voyons voir. Ouais, ça, j'avais déjà regardé les émeutes. Où est passé mon agent? Il a été, si ça tombe, il a été corrompu, si c'est lui, non? Ouais, c'est peut-être lui. Il est passé mon agent dans la région. Ah oui. Alors, 37 000, on va corrompre la cité d'Holosone. Je sais, c'est risqué, parce que c'est une cité toute seule. Donc, qui risque de... d'être attaqué à tout moment. Mais qui ne tente rien, n'a rien, alors, évidemment... Alors, ça c'est la capitale, donc je suppose qu'on va pas pouvoir la corrompre. Ah, ici non plus. Donc apparemment, c'est des cités assez difficiles à corrompre. On va réessayer pour eux. On va essayer de les corrompre, sachant qu'on a plus d'argent. Voilà, ils acceptent. Et résultat, on va pouvoir faire le siège. En bonne et due forme et récupérer cette cité parce qu'elle est à nous. Toi, rejoins des troupes. Pourquoi tu me fais un détour comme ça, toi? Bon. Tant pis. Les troupes assez intéressantes, hein, quand même. Ouais, je trouve que... une unité de barbares, apparemment. Enfin, résultat, Apollonia ne va pas rester ennemi très très longtemps. En tout cas, je l'espère. Voilà. C'est une émission assez intéressante. Ah, je vais peut-être faire mouvement avec ma flotte ici pour la diriger ici.
directement avec... Ah oui, c'est vrai que... Il est passé mon... Où est-ce qu'ils sont passés mes diplomates? Que puis-je faire? Alors toi, c'est bon. Toi, assassin. Tu vas me l'assassiner. La mort, oui, 47% de chance. Alors, est-ce qu'il a réussi? Assassinat raté. Non, bon, bah il est pas mort, c'est pas grave. Cet assassin là, on va lui demander. Il est mort. Hop. Alors, est-ce que... Non, bon. Alors, est-ce que j'ai pas un espion quelque part? Si, espion ici. Voilà. On va lui faire espionner comme ça. Non, pas là. Voilà, comme ça au moins on pourra avoir plus de chances de succès. Ah oui, c'est parce qu'ici je voulais corrompre cette ce truc. Mais c'est pas grave, on va le faire retourner, hop, et voilà. Ceci est fait, on regarde l'ordre public, évidemment, c'est toujours la même chose. Je suis toujours avec un ordre public assez bas. Évidemment. Non, on va plutôt faire ça. Hop, voilà. Pourtant, à Athènes, le mec, c'est le gouverneur, etc. Je crois qu'il aime la démocratie, alors pourquoi il se plaigne? Bon. Ça résultat, je suis de plus en plus... Ah, ici, oui, c'est normal. Hop, voilà. J'ai de plus en plus de cités commence à se rebeller malgré le fait que les impôts sont bas. Ce qui fait que je vais devoir baisser les impôts dans pratiquement toutes mes communautés, ça va être un peu chaud. Chaud. Ouais. Donc voilà. Alors... ouais, donc voilà. C'est bon. Eh ben, on va terminer cet épisode sur ce fait. Que on... je suis parvenu ici. Bon, on va les recruter quand même. Hop. Pour se donner bonne conscience, voilà. Et ici, on va l'attaquer. 4 pour 3, attendez. Je vais sauvegarder. Si j'y arrive, on terminera sur cet épisode sur quelque chose de très bien. Et si j'y arrive pas, eh ben, on reprendra à partir de la sauvegarde pour le prochain épisode. Ouais, je sais, c'est légèrement de la triche, mais qui sait qu'il l'a pas fait hein. Plus là, un rapport de force de 4 sur 3, à mon avis, résolution à toute la bataille, victoire franche, génial. Allez, hop. À nous la victoire. Et ici, on va... Oui. Détruisez-les. En position de siège. Est-ce que... Continuer le siège. Bon, on va recruter ces 3 unités également. Hop. Voilà, comme ça, ça nous ferait une armée. À l'attaque. Complète. Ouais, là, par contre, 3 pour 2. Ouh, est-ce que je tente le diable encore? Bon, allez, non, pas ça. Échappe, voilà. On va... Ouais, je sais, là, on a plusieurs numéros, mais j'écrase jamais une sauvegarde, parce que, on sait jamais, on peut essayer de la reprendre un petit peu plus tôt, là. Voilà, et on va faire une résolution automatique, victoire moyenne, mais c'est pas grave, parce que la cité est à moi. Nous sommes invincibles. Voilà, ce qui m'enlève une grosse épine du pied. Et en plus, je mets tous les habitants en esclavage. On baisse les impôts et on essaye de se faire... non, on essaye de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On essaye de se faire... aimer. Voilà, donc sûr, il y a beaucoup de troupes, etc. Mais c'est des troupes qui sont nécessaires. Je me corromprais bien cette armée-là parce qu'elle m'a l'air assez plaisante. Mais je crois pas avoir un agent ici, c'est pas grave, on va en recruter un ici. Il sera peut-être pas expérimenté, mais n'empêche, il devra être très bon. Et ben voilà, on a encore capturé une cité, alors regardons ici. Finances prévues 49 000, le nombre de nos ennemis a réaugmenté par rapport au dernier épisode, mais c'est pas grave parce que les Cédémoniens sont pas prêts de m'emmerder. Les Béotiens, bon, ils sont prêts à m'emmerder, mais là, disons que mon front est en train d'être géré.
Surtout qu'ici, vous le voyez... Ah bah, je vais peut-être pouvoir... Attendez, si le tour est passé, je vais peut-être pouvoir... Avec les anciens sièges... Non, je crois que je vais maintenir l'assaut. On sait jamais, attendez. 2 pour 1, victoire franche. Voilà, encore une capture une cité. Ah là là, je veux pas terminer cet épisode apparemment. Occuper pacifiquement la cité. Voilà, encore une bonne chose de faite. Et on va faire... une place des exécutions parce que moi commence à en avoir ras-le-bol des révoltes. Oh, ceux-là sont très très jolis, j'adore ceux-là. C'est ça. En plus avec un espèce de cheval, oui, c'est très très beau. Très 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 beau. Donc voilà, je suis en train d'ouvrir un second front, ce qui risque de beaucoup emmerder les Béotiens, mais ça j'adore emmerder les gens. Évidemment, enfin, on a des gens sur les jeux, hein, seulement, uniquement sur les jeux. Voilà, et on a encore agrandi notre cité. Alors, voyons voir, notre faction contrôle 28 régions avec 55 victoires et 8 défaites. Et oui, parce que on perd quand même, c'est fou ça. On perd quand même, mais on perd pas espoir, c'est ça le plus important. On perd pas espoir à Corinthe et l'Empire est encore en train de s'étendre et il nous reste encore environ 222 cités à capturer avant la fin. Regardons aussi le tableau des statistiques pour vous montrer. Alors, par rapport aux 5 meilleures factions, alors moi je suis la deuxième meilleure faction face aux Béotiens, aux Thessaliens et également à Carthage qui est... Carthage qui est la troisième cité, ensuite c'est les Béotiens et enfin les Thessaliens. Donc encore une partie qui a été assez mouvementée mais que je ne regrette pas parce que là on vient de sauver quelque chose en relançant sans le bug. Allez, salut à tous !